appréhendait bah, le combat après les championnats. C'était le premier combat après les championnats. Donc du coup, on s'est bien préparé pour. On a tout fait, on a tout amélioré, tout ce qu'il nous fallait pour tout ce qui a fait défaut pour les championnats de France. On a tout amélioré, on est revenu un peu plus fort. Les prochaines échéances, du coup, c'est fin février, début mars, tournoi Cazaux à Saint-Nazaire. Puis bon, on va essayer de ramener la ceinture. C'est un bon adversaire, je me sentis bien, 1, 2, 3, je prends les 3 rondes, ça va, j'étais en forme. Troisième, un peu de fatigue, les projets à suivre, là, c'est passé professionnel, prendre encore un peu d'expérience en amateur, juste la fin de saison, là, et passer professionnel dès le début de saison prochain, et on espère attaquer le championnat de France, tout ça, le plus rapidement possible. Hey!
Alors je me présente, Maupin Kielia. Je viens de combattre au gala de Lisieux contre Mélissa Bounoua, où j'ai fait un match nul. Alors comment je l'ai ressenti? Premier round, j'ai pas bien parti. Je l'ai pas bien ressenti, mais c'est le deuxième et le troisième round qui m'ont sauvé. Je dirais même que j'étais peut-être un petit peu gagnante sur l'attitude et tout, j'étais plus belle à voir. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, c'est la boxe. Ensuite, ce que je voulais dire aussi, c'était que bah, je vais parler des Jeux Olympiques. En gros, 2024, à Paris, il me reste une petite chance, une petite porte ouverte. J'ai les championnats d'Europe qui arrivent au mois de mai avec les seniors et j'espère décrocher une médaille d'or, ce qui pourra peut-être me permettre d'aller aux JO. C'est le rêve de tout boxeur. Et si j'y participerai pas, je participerai à 2028, ça c'est promis. Ah!